Bonjour mes bien-aimés, que Jésus-Christ notre Père te bénisse. Voilà, aujourd'hui nous allons prendre Ésaïe 53. Voilà, pour tous ceux qui sont malades, que ce soit une maladie spirituelle, la maladie spirituelle, la maladie corporelle, physique, il faut prendre Ésaïe 53. Alléluia, que le Seigneur Jésus-Christ te bénisse. Voilà, nous allons prendre Ésaïe 53. Qui a cru à ce qui nous était annoncé? Qui a reconnu les bras de l'Éternel? Il s'est levé devant lui comme une faible plante, comme un rejeton qui sort d'une terre desséchée. Il n'avait ni beauté ni éclat pour attirer nos regards. Et son aspect n'avait rien pour nous plaire. Méprisé et abandonné des hommes, homme de douleur et habitué à la souffrance, semblable à celui dont on a détourné le visage. Nous l'avons dédaigné, nous n'avons fait de lui aucun cas. Cependant, ce sont nos souffrances qu'il a portées. C'est de nos douleurs qu'il s'est chargé, et nous l'avons considéré comme puni, frappé de Dieu et humilié. Mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui, et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. Nous étions tous errants comme des brebis. Chacun suivait sa propre voie, et l'Éternel a fait retomber sur lui l'iniquité de nous tous. Il a été maltraité et opprimé, et il n'a point ouvert la bouche, semblable à un agneau qu'on mène à la boucherie, à une brebis muette devant ceux qui l'attendent. Il n'a point ouvert la bouche, il a été enlevé par l'angoisse et le châtiment. Et parmi ceux de sa génération qui a cru qu'il était retranché de la terre des vivants et frappé pour les péchés de mon peuple, on a mis son sépulcre parmi les méchants, son tombeau avec les riches, quoiqu'il n'eût point commis de violence, et qu'il n'eut point de fraude dans sa bouche. Il a plu à l'Éternel de le briser par la souffrance. Après avoir livré sa vie en sacrifice pour le péché, il verra une postérité et prolongera ses jours. Et l'œuvre de l'Éternel prospérera entre ses mains. À cause du travail de son âme, il rassasira ses regards. Par sa connaissance, mon serviteur juste justifiera beaucoup d'hommes, et il se chargera de leurs iniquités. C'est pourquoi je lui donnerai sa part avec les grands. Il partagera le butin avec les puissants, parce qu'il s'est livré lui-même à la mort et qu'il a été mis au nombre des malfaiteurs. Parce qu'il a porté les péchés de beaucoup d'hommes et qu'il a intercédé pour les coupables. Pour les coupables. Oui, c'est la fin. Pour les coupables. Alléluia. Pour ceux qui veulent la guérison, que ce soit la guérison divine ou la guérison spirituelle, il faut prendre ce verset. Mais nous allons continuer. Voilà, nous allons prendre le psaume 107. Louez l'Éternel, car il est bon, car sa miséricorde dure toujours. Qu'ainsi disent les rachetés de l'Éternel, ceux qu'il a délivrés de la main de l'ennemi et qu'il a rassemblés de tous les pays, de l'Orient et de l'Occident,
du nord et de la mer. Il errait dans le désert. Il marchait dans la solitude, sans trouver une ville où il puisse habiter. Il souffrait de la faim et de la soif. Leur âme était languissante. Dans leur détresse, ils criaient à l'Éternel et il les délivra de leurs angoisses. Il les conduisit par le droit chemin pour qu'ils arrivassent dans une ville habitable. Qu'il loue l'Éternel pour sa bonté et pour ses merveilles en faveur des fils de l'homme, car il a satisfait l'âme altérée, il a comblé de bien l'âme affamée. Ceux qui avaient pour demeure les ténèbres et l'ombre de la mort vivaient captifs dans la misère et dans les chaînes, parce qu'ils s'étaient révoltés contre les paroles de Dieu, parce qu'ils avaient méprisé le conseil du Très-Haut. Il humilia leur cœur par la souffrance. Ils succombèrent et personne ne les secourut. Dans leur détresse, ils criaient à l'Éternel et il les délivra de leur angoisse. Il les fit sortir des ténèbres et de l'ombre de la mort et il rompit leurs liens. Qu'il loue l'Éternel pour sa bonté et pour ses merveilles en faveur des fils de l'homme, car il a brisé les portes des reins, il a rompu les verrous de fer, les insensés par leur conduite coupable et par leurs iniquités s'étaient rendus malheureux. Leur âme avait en horreur toute nourriture et ils touchaient aux portes de la mort. Dans leur détresse, ils criaient à l'Éternel et il les délivra de leurs angoisses. Il envoya sa parole et les guérit. Il les fit échapper de la fosse. Qu'il loue l'Éternel pour sa bonté et pour ses merveilles en faveur des fils de l'homme. Qu'il offre des sacrifices d'action de grâce et qu'il publie ses œuvres avec des cris de joie. Ceux qui étaient descendus sur la mer dans des navires et qui travaillaient sur les grandes eaux, ceux-là verront les œuvres de l'Éternel et ses merveilles au milieu de l'abîme. Il dit, et il fit souffler la tempête, qui souleva les flots de la mer. Il montait vers les cieux, il descendait dans l'abîme. Leur âme était éperdue en face du danger. Saisi de vertige, il chancelait comme un homme ivre. Et toute leur habileté était anéantie. Dans leur détresse, ils crièrent à l'Éternel et il les délivra de leurs angoisses. Il arrêta la tempête, ramena le calme et les ondes se turent. Ils se réjouirent de ce qu'elle s'était apaisée. Et l'Éternel les conduisit au port désiré. Qu'il loue l'Éternel pour sa bonté et pour ses merveilles en faveur des fils de l'homme, qu'il exalte dans l'assemblée du peuple et qu'il le célèbre dans la réunion des anciens. Il change les fleuves en désert et les sources d'eau en terre desséchée. Le pays fertile en pays salé, à cause de la méchanceté de ses habitants.
Il change le désert en étang et la terre aride en source d'eau. Et il y établit ceux qui sont affamés. Il fonde une ville pour l'habiter. Il ensemence des champs, plante des vignes et il en recueille les produits. Il les bénit et ils deviennent très nombreux. Et il ne diminue point leur bétail. Sont-ils amoindris et humiliés par l'oppression, le malheur et la souffrance? Verse-t-il le mépris sur les grands? Les fait-il errer dans des déserts sans chemin? Il relève l'indigent et le délivre de la misère. Il multiplie les familles comme des troupeaux. Les hommes droits le voient et se réjouissent. Mais toute iniquité ferme la bouche. Que celui qui est sage prenne garde des choses, qui prenne garde de ces choses et qu'il soit attentif aux bontés de l'Éternel. Alléluia. Que le Seigneur Jésus-Christ te bénisse. Voilà, ces deux chapitres de le chapitre d'Ésaïe 53 et le chapitre du psaume 107. Voilà, quand quelqu'un, si tu désires une guérison, voilà, il faut méditer ces deux chapitres et je suis sûr que le Seigneur va te délivrer. Alléluia. Que le nom du Seigneur Jésus-Christ te bénisse, qui te fortifie, qui te remplisse de guérison, de joie, de paix, d'amour. Que le Seigneur Jésus-Christ soit avec toi. Alléluia. Voilà. Que le Seigneur te bénisse. Au revoir. C'est votre servante Moyer. Au revoir.